dire ce que c'est? Des œufs de tortue. Tu veux m'en acheter une? Hé, hey, arrêtez! La police, vite! Sois le bienvenu. C'est la Matt, l'attaque. Ça me fait très plaisir de te voir. Moi aussi. On cherche tous à s'en sortir. T'es comme ça. Viens. J'ai été très surpris quand tu m'as téléphoné. Dis-moi la vérité. Tu n'es pas là par hasard. Visiter la Malaisie a toujours été mon rêve. Alors je me suis dit que c'était l'occasion. Et tu as eu raison. L'hôtel des Tortues de Mer. Bienvenue dans mon royaume. Tu es bien évidemment invité à la petite fête de ce soir. Ça n'a plus rien à voir avec ton ancienne boutique de surf. Et tu n'es pas au bout de tes surprises. Tu me connais. Merci. C'est mon cocktail préféré. Santé. Santé. Voilà. Oh oh, t'entends ça? T'entends ça, Riva? Calme-toi. Il faut que ça cesse. Je peux pas vous aider, je suis désolé. Je vois, alors je sais ce qu'il me reste à faire. Va sûrement être Johan. Moi, c'est Tom. Rubert t'a prévenu de ma présence? Le boss m'a dit que tu m'apprendrais beaucoup. C'est d'abord à toi de m'apprendre plein de choses. C'est la première fois que je viens ici. Ouais. Tu me montreras où on peut plonger. Il faut que je sache où emmener les clients. Il y a pas mal de sites de plongée par ici. Il paraît que t'es un super moniteur de plongée. Ah. Il y a un problème? Je sais pas, je crois qu'il faudrait vérifier le détendeur. J'ai vraiment affaire à un professionnel. La plongée est un sport sérieux. Bon, allez, assez discuté. J'aimerais aller repérer les sites de plongée aujourd'hui. Tu crois que c'est possible? Bien sûr, mais le boss veut que t'ailles le voir. On y va? Je ne veux pas que cette dame perturbe mes projets plus longtemps, c'est clair? Ça m'est égal, je ne vous paye pas à rien faire. Bon, tenez-moi au courant. Excuse-moi. T'es un homme très occupé, à ce que je vois. Oui, en effet. Vous ne pouvez pas entrer. Désolée, je n'ai pas pu l'arrêter. C'est rien, merci. J'ai prévenu mon avocat de votre coup d'éclat d'hier soir. Vous n'avez pas le droit de pénétrer sur ma propriété et d'y commettre des dégradations. Vos fêtes sur la plage doivent cesser immédiatement. Elles sont interdites par la loi pendant toute la période de couvaison des tortues de mer. Si vous persistez à ne pas respecter la loi, je me verrai dans l'obligation de porter plainte contre vous. C'est vous qui voyez. Allez à la police si vous voulez.
Je peux savoir qui c'est? Une écolo qui essaie de me créer des ennuis. Oublie ça. Je t'ai fait venir pour quelque chose de beaucoup plus important. Ton contrat de travail. Prends ton temps pour le lire. Non, j'ai pas besoin. Je peux? Parfait. J'aime ça, les hommes de décision. Bienvenue dans l'équipe. Sur la gauche, nous avons les boutiques. Et en face... C'est magnifique. Tom? Gruber, qu'est-ce qu'ils font ici? Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Je croyais que tu savais qu'ils venaient me voir. Non. On en a parlé hier, non? Dans la voiture. C'est pas grave, viens. Soyez tous les trois les bienvenus à l'hôtel des Tortues de Mer. Qu'est-ce que tu as grandi? Tu ne te souviens plus de moi, je suppose. Pas vraiment. Je m'en doutais. Charles. Pierre. Je suis heureux que vous soyez là. Papa, qu'est-ce qui se passe? Je te présente mon frère et donc, par conséquent, ton oncle Thomas. C'est ton frère, le baroudeur? Salut, oncle Thomas. Moi, c'est Célia. Tu me dois 15 cadeaux d'anniversaire. Je te ferai ma liste. Bonjour, l'humour. Tu le savais, n'est-ce pas? Comment j'aurais pu le savoir? Gruber ne m'a rien dit. Et puis, depuis quelque temps, t'arrêtes pas de faire des allusions bizarres. Tu entends quoi par se débarrasser des choses encombrantes? Un nouveau départ? Je parlais juste de nous. De notre mariage, de notre famille. C'est ridicule, pourquoi je t'aurais caché que Tom était ici? Comment je le saurais? Ça fait bien longtemps que j'essaie plus de te comprendre. On a eu une mauvaise année, mais je te promets que ça va aller mieux. Tu ne regardes pas qui c'est? C'est peut-être le boulot. L'hôtel est immense. On restera loin de Tom. On ne pourra pas l'éviter. On y est bien arrivé pendant 18 ans, rappelle-toi. La salle de bain est libre. Tu y vas? Oui. Alors? Les familles dysfonctionnelles et les thérapies de groupe, franchement, c'est pas mon truc. Nous non plus, ça tombe bien. Tous les parents finissent par divorcer. C'est presque déjà fait dans ma classe. Nous, c'est pas pareil. Dis à maman que je suis avec Gruber. Et depuis quand je suis ta secrétaire? S'il te plaît. Ouais. Qu'est-ce que je pouvais faire? Tom débarque sans prévenir et me demande du boulot. Je croyais que vous en aviez parlé. Non, mais c'est peut-être un signe du destin. La vie me dit peut-être que c'est ma dernière chance de me réconcilier avec Tom. Merci beaucoup. De rien. Alors, tu veux continuer? Oui, vu la situation, je n'ai pas le choix. L'argent, tu l'as apporté? Le nerf de la guerre. Exactement, oui. Le prix des passeports a augmenté. Tu sais pourquoi? Non, il m'a juste dit qu'il voulait plus d'argent. Mais ils les valent bien, ils sont d'excellente qualité. Et quand seront-ils prêts? Je te tiens au courant. Là, c'est la maison et... Juste derrière, c'est la plage. Trop cool! Je préférerais être avec vous. C'est quand la fête? Samedi soir. Quoi? Tes parents sont d'accord? Ils sont pas là. Les miens sont toujours là. Qu'est-ce que tu fais? Je souhaite un joyeux anniversaire à Caro. Ah. Joyeux anniversaire, Caro. Est-ce que je peux parler à ma fille? Bien sûr. Passe de bonnes vacances, Célia. Bon, bah, je te rappelle plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux plus appeler mes copines. On est venu ici pour passer des vacances en famille. C'est ce que toi, tu voulais. Tu l'as remarqué, ces derniers mois n'ont pas été très faciles. Et pas seulement à cause de ton père ou de moi. Ça y est, ça recommence. Je vous ai promis que ça se reproduirait plus. Est-ce que Caro et tes amis sont au courant? J'ai pas envie de recevoir un nouvel appel de la police qui me prévient que ma fille a été arrêtée avec plus d'1,4 g d'alcool dans le sang.
Au fait, c'est qui ce Tom? Comment ça, qui c'est? J'ai un oncle et je l'ai jamais rencontré. Tu trouves ça normal? Ton père et son frère Tom ont toujours été en concurrence. C'est ton grand-père qui l'a voulu ainsi. Il voulait qu'à sa mort, ce soit le meilleur des deux fils qui reprenne la société familiale. C'est super débile. Et c'est papa qui a gagné? Tu n'as pas changé, malgré les années. Venant de ta part, je suis pas sûr que ce soit un compliment. Tu es en Malaisie vraiment par hasard? Tu ne m'as jamais pardonné, hein? Non, je ne t'en veux plus, crois-moi. Et tu as fait quoi durant tout ce temps? Qu'est-ce que tu veux? Mon curriculum vitae? Ou la liste de mes dernières conquêtes? T'as jamais été un grand bavard. C'est vrai. Tu le portes toujours? Juste une vieille habitude. Là-bas. On dirait une tortue. C'est pas normal, ça. D'habitude, elles ne sortent que la nuit. Alors? Elle a l'air malade. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? On va l'apporter à ma tante. Elle dirige une nurserie pour les tortues. Regardez comme celle-là. Zarifa! On est une malade pour toi. Salut. Vous n'étiez pas dans le bureau de Gruber ce matin? C'est Tom, mon nouveau collègue. Venez, suivez-moi. Pose-la sur la table. Oh, pardon. Parfait, bien. Tout va bien. Tiens, mets-lui ça sur la tête. Très bien. Comme vous le savez, les tortues se nourrissent de méduses. Et parfois de sacs en plastique qui ressemblent aux méduses. Vous entendez, les enfants? Les sacs en plastique ressemblant aux méduses, les tortues les mangent, s'étouffent et meurent. Vous pouvez la sauver? Je vais tout faire pour. Alors vous élevez des tortues? Nous récupérons les œufs sur la plage et nous aidons à la couvaison. Pourquoi? Pour empêcher qu'ils soient volés et vendus. Les œufs de tortue sont très recherchés. Ils se vendent très cher sur le marché noir. Il y a beaucoup de gens pauvres sur l'île. Ça leur fait de l'argent. Est-ce qu'il faut vendre les œufs de tortue, les enfants? Non! Non. Hier matin, sur le port, un jeune garçon en avait plusieurs dans la main et il a essayé de m'en vendre un. Oui, il y a malheureusement encore des gens qui trouvent qu'un œuf de tortue est un joli souvenir. Mais je croyais qu'en Malaisie, les tortues étaient protégées. Oui, en théorie, mais la loi n'est pas appliquée comme il le faudrait. Et particulièrement contre les hommes riches et stupides comme votre patron. Je ne crois pas que Gruber mange des œufs de tortue. Non, mais ces fêtes créent des dommages aussi importants que les sacs en plastique. Vous ne me croyez pas? Vous vous y connaissez beaucoup mieux que moi. Beaucoup de gens se servent de l'ignorance comme excuse. Pardon, laissez-moi passer. Johan, tu fais toujours la ronde cette nuit? Oh non, j'ai complètement oublié. J'ai un spectacle. Tu peux pas te faire remplacer? Deux personnes viennent de me lâcher.
Je veux bien le faire. Vous, vous n'y connaissez rien. C'est pas grave, je peux apprendre. Disons que c'est ma manière de me faire pardonner ma présence à la petite fête d'hier soir. Tu veux un coup de main? Toi, tu sais comment ça marche? Tu te moques de moi? Ok. Fais-moi un beau sourire, s'il te plaît, d'accord? J'en fais une autre, comme ça tu pourras choisir. Ok, mets-toi bien devant le cœur. T'es prête? Un beau sourire? Ouais. Merci. C'est pour ton copain? C'est pour l'anniversaire d'une copine. Tu as du talent? Pas vraiment, non. Eh bien, comme je ne suis que l'employé et toi la cliente, tu as certainement raison. Mes parents m'attendent, j'y vais. Qu'est-ce que tu fais dans l'hôtel? Je te le dirai la prochaine fois qu'on se verra. Ouais, c'est beau de rêver. Les tortues pondent toujours leurs œufs là où elles sont nées. Elles peuvent nager des milliers de kilomètres pour revenir sur leur lieu de naissance. Mais s'il y a trop de lumière, ou s'il y a trop de bruit, c'est fini, elles ne reviennent plus jamais. Donc, la ponte s'arrête. Est-ce que Gruber le sait? Évidemment qu'il le sait, mais il s'en fiche. Il veut agrandir son hôtel et acheter une autre parcelle de plage. Ce serait la fin de notre population de tortues de mer. Le seul moyen de les sauver, c'est d'empêcher Gruber de réaliser son projet. Comment? Je travaille pour la Fondation pour la vie marine. C'est eux qui financent cette nurserie. C'est une organisation non gouvernementale qui récolte des fonds afin de mettre en place des réserves naturelles. Là, vous voyez? Regardez. Prendre les œufs et puis de les enterrer dans le sable de la nurserie et de les surveiller. Et ça dure combien de temps? En moyenne, je dirais 3 à 6 heures. Vous êtes sérieuse? Vous savez, pondre une centaine d'œufs, ça prend du temps. Je croyais que vous vouliez m'aider. Ah. En effet, oui. Merci. Le décalage horaire, ça ne me réussit pas. T'as qu'à aller dormir. Papa et moi, faut qu'on discute. Ah, et de quoi? De Tom, ton frère. Je voudrais mieux le connaître. Je croyais pourtant te l'avoir dit. Tom ne veut plus rien avoir à faire avec nous. Vous ne vous étiez vraiment plus vus depuis 18 ans? Ce n'est pas tout à fait vrai. Je l'ai vu deux fois dans un aéroport. Tu ne me l'as jamais dit? C'était pour régler des choses pour la société. Je ne voulais pas rouvrir de vieilles plaies. Quelle plaie? Ta mère et Tom étaient ensemble quand on s'est rencontrés. Ah! Tu lui as piqué maman, c'est ça? Ce ne sont pas tes affaires, Célia. Vous êtes restés longtemps ensemble? Je ne sais plus, quelques mois. Ça n'aurait pas marché, de toute façon. Ah bon, et pourquoi? Eh bien, parce que... Parce que ta mère est tombée amoureuse de moi. Absolument. Ce n'est pas mon idée, mais je n'ai pas eu un mot à dire. Tu peux me dire depuis quand tu n'as plus plongé? Ça fait bien 5 ans, non? Même chose pour moi. Oui, et ta nièce voulait faire ta connaissance, alors je me suis dit que ce serait l'occasion.
Anne, tu nous diras si ces fonds marins te rappellent ceux de la mer Rouge ou pas? Tu y allais avec Tom ou avec papa? Tom. Tu es bien curieuse, Célia. Oui. Tu sais, si ma mère était restée avec toi, je serais peut-être ta fille. Ne crois pas ça, ton oncle n'est pas fait pour les enfants. Qu'est-ce que t'en sais? Je ne fais que répéter ce que tu me disais. Salut. Salut. Je suis Johan. Est-ce que tu sais plonger? Non, mais j'aimerais essayer. Eh bien, nous avons des cours pour débutants. Célia n'est pas en mesure d'accepter ton offre. On peut y aller. Le banc de sable est là. On peut jeter l'ancre ici sans abîmer les coraux. Vous n'allez pas me laisser toute seule? Johan va te tenir compagnie. Pas de problème. Comme ça fait longtemps que vous n'avez pas plongé, je dirais que pour cette fois, on va se limiter à 20 minutes et à une profondeur de 10 mètres. Ne sois pas plus royaliste que le roi. La plongée, ça ne s'oublie jamais. La sécurité avant tout. Et pensez aux courants, ils peuvent être très forts par ici. Désolé, excuse-moi. Je devrais l'enlever, c'est plus prudent. Anne me l'a offerte pour notre mariage. Je ne l'ai jamais enlevée depuis. Tu as quel âge? 17 ans. Et toi? 15 ans. Plus qu'un an et tu es majeur, quelle chance. Tes parents ont pas l'air si mal. Faut pas se fier aux apparences. Je suis en état d'arrestation. Pourquoi? Un soir, j'ai bu comme un trou. Un pari stupide. Dis-moi, t'aimerais que je te fasse visiter la nurserie des tortues tout à l'heure? Oui, j'adorerais. Cool. T'es malade ou quoi? On avait dit pas plus de 10 mètres. Pourquoi tu t'énerves? Il s'est rien passé.
Tu dois respecter mes consignes, t'es sous ma responsabilité. Ouais, ouais, ça va, calme-toi. Avant, ton oncle était plus marrant. Par contre, ton père n'a pas changé, il respecte toujours pas sa parole. Arrêtez de vous disputer comme des gamins, on n'est pas la maternelle. Et toi, t'es pas l'institutrice. C'est pas de rattraper Anne? J'ai pas besoin de tes conseils. C'est vrai, j'oubliais que mon grand frère est toujours plus fort que les autres. J'aimerais montrer la nurserie à Celia. Tu as besoin de moi? Tu m'aides à ranger le bateau et après je viens avec vous. Il faut que je te montre Edwige. Quoi? Grand-mère est là? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu ne trouves pas qu'elle ressemble à ta grand-mère? Peut-être. Avec des cheveux, ce serait mieux. Vous croyez qu'elle va guérir? Je pense pouvoir la relâcher dans quelques jours. Je peux faire visiter la nurserie à Celia? Bien sûr. Et super, viens. Elle est chouette. J'en sais rien. Je viens juste de la rencontrer. Ce que vous dites est très étrange pour un Malaisien. Rien n'est plus important que la famille en Malaisie. Vous avez une famille? Enfin, je veux dire, en plus, bien sûr, de Johan et d'elle. Remettez-la avec les autres, vous êtes très indiscret. Alors? Eh bien, j'ai 3 nièces adorables et 4 neveux. 2 frères, 3 sœurs, tous mariés et qui ont d'autres enfants en préparation. Très bien, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que vous êtes seule. Est-ce qu'on pourrait sortir un soir, tous les deux? On pourrait aller au restaurant ou au cinéma? On n'a pas de cinéma. Regardez un DVD. On n'a aucune vidéothèque. Vous faites de la plongée? Je suis biologiste marine. Alors oui, je plonge. J'ai compris. Vous ne voulez rien faire avec moi. C'est pas grave. Vous avez un costume? J'en ai plein ma valise. Ça se voit, non? Je suis sérieuse, vous avez un costume? Ce qu'on met pour impressionner les gens. Alors, trouvez-en un. Rendez-vous dans le lobby de l'hôtel dans 1 heure. Oh, dans 1 heure, d'accord, oui. Celia aimerait beaucoup plonger avec nous. C'est pas ça le problème, Charles. Ah oui, alors c'est quoi? Avant de partir, on avait convenu qu'elle serait punie pour réfléchir aux conséquences de ses actes et qu'elle arrête de boire. Mais il faut qu'on traverse cette épreuve ensemble. Je ne Anne. Peux pas toujours être la méchante maman et mais toi le gentil papa. Mais tais-toi, on est en vacances, profite un peu. Ça fait des mois que tu passes à la maison en coup de vent, que tu ne sais pas ce que fait ta fille, alors s'il te plaît, arrête. Je suis le patron d'une grosse entreprise, je ne peux pas partir du bureau à 5 heures. Je n'ai plus d'énergie pour ce genre de combat. Tu crois peut-être que moi, oui? Tu n'as aucune idée de ce que je vis à l'imprimerie ces derniers temps. Tu me parles jamais du bureau. Je vois pas à quoi ça aurait servi que je vous parle à toi et à Celia. C'est pas vous qui auriez pu me trouver un nouveau client? Il y a un problème avec Bertrand, c'est ça? Il nous presse comme des citrons. À chaque fois, il se débrouille pour diminuer le budget. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Parce qu'on avait assez de problèmes comme ça. Je suis là pour toi, je t'aurais soutenu. Anne, tu me vois en train de te parler de gestion d'entreprise. Pour toi, c'est comme la chirurgie du cerveau, t'y connais rien. Je savais pas que tu me voyais comme ça. Où sommes-nous? Sur une plateforme pour hélicoptère. Et que faisons-nous? Nous attendons un hélicoptère. Thank you.
que je peux savoir où nous allons? Un peu de patience, cher collègue. Vous avez un vrai don pour le suspense. Assez patient. Vous me dites enfin ce qui se passe? Nous rendons visite à mon dernier espoir d'empêcher Gruber d'agrandir la plage de son hôtel. La dame qui nous a envoyé l'hélicoptère est extrêmement riche et elle est très intéressée par mon projet pour les tortues de mer. Et pourquoi vous avez besoin de moi? Vous êtes mon atout charme. Elle sera peut-être plus généreuse grâce à vous. Non, attendez une petite minute. Vous voulez que je vous aide? C'est ça, n'est-ce pas? Alors dans ce cas-là, il vaut mieux qu'on se tutoie comme ça, on aura l'air de vrais collègues. Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que ce vol en hélicoptère vous a été agréable, Sarifa. Très agréable, en effet, ce fut un plaisir. Voici mon collègue, Monsieur Tom Broder. Monsieur Tom Broder? Ravi de vous connaître. Allons nous asseoir, voulez-vous? Vous prendrez du thé? Très volontiers. Je ne savais pas qu'on cultivait du thé en Malaisie. La première plantation de thé malaisienne a été créée au début du XXe siècle, en 1929 pour être précise. Quand M. Broder a su que vous étiez susceptible de soutenir notre projet, il a tenu à voir votre plantation. Oui, absolument. Quand Sarifa m'a parlé de votre plantation, je pensais qu'elle exagérait, mais maintenant j'avoue que je la trouve impressionnante. Ces tasses sont magnifiques, Madame Somme. Ce sont de véritables œuvres d'art, n'est-ce pas? Monsieur Broder, depuis quand travaillez-vous pour la Fondation pour la vie marine de Malaisie? Je ne suis pas en Malaisie depuis très longtemps, je l'avoue. Avant, j'étais en Australie. Ce thé est un vrai délice. Comptez-vous rester parmi nous encore longtemps? Je l'espère, oui. Ça dépend d'une chose, si notre projet marche ou pas. Mon destin se trouve entre vos mains. Un jour, un homme d'une grande sagesse a dit « Le destin est ce qu'il est. Il prouve comment les choses devaient être sans que jamais personne ne sache pourquoi elles devaient l'être. » Vous pensez que cet homme appréciait les tortues? Je ne crois pas, non. Vous jouez au concac? Oui, j'adore ça. Voulez-vous que nous fassions une partie? Avec plaisir. Mais il faut que je vous prévienne. Je suis une excellente joueuse et une très mauvaise perdante. C'est aussi mon cas. Font tous ces billets dans la mallette? Il doit y avoir 100 000 euros? Il y a beaucoup moins que ça. Ne me dis pas que tu trembles dans quelque Mais chose d'illégal. Mais non, ce n'est pas mon argent. Gruber m'a demandé de le lui apporter parce qu'il ne veut pas que cet argent passe par une banque. Et toi, tu as accepté? Tu te rends compte si les douaniers les avaient trouvés? Mais rien ne s'est passé. Quand bien même, Gruber se sera occupé de tout régler. Pourquoi as-tu toujours cet argent avec toi? Parce qu'avec toutes ces histoires avec Tom, je n'ai pas eu le temps de le donner à Gruber. J'y vais maintenant. Pour jouer aussi bien que cela, je suis certaine que vous avez eu un professeur extrêmement doué. C'était une professeure. Eh bien, cette dame n'aurait pas dû vous donner tous ses secrets. Vous avez gagné la partie, Monsieur Broder. Oui, il n'y a pas de doute. Toutes mes félicitations. Voulez-vous votre revanche? Oh non, merci beaucoup. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une mauvaise perdante. Voulez-vous m'excuser? Je n'en ai pas pour longtemps. Oui.
gagné. Elle l'aurait vu, elle est pas idiote. Qu'est-ce qui m'a pris de vous demander de m'accompagner? Qu'est-ce qui se passe? On se tutoie plus? Le temps passe toujours trop vite. Et vous devez certainement être très occupé. Je crois que Monsieur Broder souhaiterait vous... Souhaiterait vous remercier pour votre hospitalité. Si un jour vous voulez que nous rejouions ensemble... Cela, Monsieur Broder, ne se reproduira pas. Cette partie m'a suffi. Merci beaucoup. Ouvrez-les, je vous en prie. Oh, Madame Somme... Vous les avez trouvées tellement jolies. Je vous souhaite un très bon vol. Merci beaucoup. Monsieur Broder, une perdante doit toujours payer ses dettes. Regarde pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. C'est mon enveloppe, j'en fais ce que je veux, non? Tom... Oui, d'accord, je l'ouvre. Manger en malais. Makan. Saya mo makan. J'ai envie de manger. Qu'est-ce que tu as dit? Mo maka. Saya mo nasi goreng. Excellent. On rentre manger à l'hôtel? Désolé. Je dois aller participer à un dikir barat. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des chants traditionnels. Tu veux venir avec moi? Ça fait des mois que j'essaye de récolter l'argent et maintenant ça y est! Il y a assez pour acheter la plage? Oh! Il y en a même plus qu'il n'en faut. Tu vas pouvoir faire une nouvelle nurserie et changer le toit de l'ancienne. J'étais très stressée chez Madame Sam, désolée. Moi aussi j'étais stressée. C'est ma belle-sœur. Ah. Le docteur Sarifa Ismaël, directrice de la nurserie pour les tortues de mer. Anne. Célia m'a parlé avec beaucoup d'enthousiasme de votre nurserie. Ah, si vous voulez passer, n'hésitez pas. Je dois vous laisser. Merci encore. Je passerai te voir plus tard. Tu veux bien? Oui. Tu me donnes ma tasse? Oui, ah, là, merci. Ah. Bonne journée. Vous aussi. Tu fais toujours ton petit effet sur les dames. Ah, si tu le dis. Crois-moi, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement cliché. La femme au foyer qui va pleurer dans les bras de son ex. T'en fais pas pour ça. Je t'écoute. Tu sais, Charles et moi, on s'entend plus très bien. Je crois que si Célia n'était pas là... Je suis peut-être pas un expert, mais... tous les couples de longue durée finissent par connaître ce genre de difficultés, non? Tu m'avais averti à l'époque. Tu m'avais dit qu'il me rendrait malheureuse. Qu'est-ce que j'aurais pu dire d'autre? J'étais blessée, en colère... Oui, tu avais raison.
pourquoi tu t'es pas battu pour moi? Parce que j'avais aucune chance. Si, je t'assure. Charles. Ah. Hein? Les passeports sont là. Est-ce que tu as l'argent? Oui, comme tu me l'as demandé, la première moitié ah, maintenant ici, est... Ce soir, on va chercher les passeports. Tu as parlé de ton projet à Anne? Toi alors, tu as un sacré sang-froid. Votre vol pour les Caïmans est dans 3 jours. Oui, je sais. Je n'ai pas eu l'occasion de lui dire. Il est plus que temps. Pourquoi tu me dis tout ça maintenant? Je t'avais complètement oublié. Et puis... tu réapparais tout d'un coup. Et je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'était il y a 18 ans, Anne. C'est encore plus fou, non? Oh, tu traverses une phase difficile avec Charles. Mais ça va passer. Vous devriez peut-être vous prendre une chambre, vous seriez plus tranquille. Je n'aurais jamais cru ça de toi, Anne. Tu me déçois beaucoup. C'est pas ce que tu crois, alors laisse tomber. Pourtant, ce que j'ai vu était très clair. Ça suffit, je te demande de te calmer, d'accord? C'est entre ma femme et moi que ça se passe. Tu n'as rien à me dire du tout. Je croyais que t'avais mûri avec les années, mais apparemment, non. Mais apparemment, non. Bon, c'est bon, ça suffit comme ça. T'écoutes jamais les autres, tu t'en fous, ça a toujours été comme ça. Mais vas-y, espèce de lâche, parle, je t'écoute. La seule chose que j'ai envie de faire pour l'instant, c'est de t'en foutre une. Qu'est-ce que tu attends, hein? Viens. Laisse-moi tranquille. Tu te débites, c'est ça? Ne me touche pas. Allez, vas-y, saisis ta chance. Fous-moi une bonne raclée. Non! Non, arrêtez! Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fou! Allez, debout! Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas vrai, allez! Anne, calme ton mari! Je m'occupe de celui-là. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Tu as perdu la tête? C'est lui qui m'a cherché. Je m'en fiche! Oh. Ton frère est mon client et toi, tu es mon employé. Et si tu veux rester mon employé, tu as intérêt à changer de comportement à l'avenir. C'est bon, calme-toi. Mais tu as vraiment envie de ce boulot ou pas? Tu pourrais travailler ailleurs. Tu crois ça? J'ai lu un article de presse en ligne il n'y a pas longtemps. Il parlait d'un accident de plongée en Australie. Tu ne l'as pas mentionné dans ton CV, n'est-ce pas? Ça s'est pas passé du tout comme la presse l'a écrit. J'ai pas été condamné. Ce n'est pas pour ça que tu ne vas pas avoir de problème pour trouver un nouveau boulot sur l'île. C'est une menace? Je ne veux pas d'ennuis, tu entends, et je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre d'idiotie! Je suis en train de construire le plus grand centre hôtelier spécialisé en plongée de toute la Malaisie! J'en suis pas aussi certain. Qu'est-ce que tu insinues? Rien du tout. Est-ce que tu sais quelque chose que j'ignore? Pense ce que tu veux. Ça doit être désinfecté. Laisse, c'est pas grave. Ne joue pas au dur, ça ne te va pas du tout. Mince. Qu'est-ce qui se passe avec Tom? Tu es ma femme, pas la sienne. Ah. Tu t'en souviens maintenant? Et si on prenait un nouveau départ? On repartirait de zéro. Qu'est-ce que tu dis des îles Caïmans? On achètera une maison, on montera une affaire, je suis sûr que ça peut marcher. Charles, de quoi est-ce que tu parles? Tu as l'âme d'un comptable, pas d'un aventurier. Et toi? Tu te vois avec Tom dans une cabane en bambou sans machine expresso ni home cinéma? Sois réaliste, tu sais très bien que tu ne tiendrais pas. Allô? Quoi? Comment a-t-il pu le savoir? Ok, merci. Hey,
C'est fantastique. Tu n'as vraiment aucun scrupule. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es servi de moi, tu m'as soutiré des informations pour Gruber. Je t'ai quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles? J'ai reçu un coup de téléphone. L'offre de Gruber pour la plage est plus élevée que la mienne. C'est pas vrai. Maintenant, je sais pourquoi tu n'as pas laissé gagner Madame Somme. C'est pour ne pas qu'elle me donne l'argent. Non. Non, c'est pas vrai. J'étais très en colère contre Gruber. Je lui ai juste dit qu'il... Qu'est-ce que tu veux de moi? Regarde ces petites tortues. Elles ne viendront plus pondre ici. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu fais ça depuis longtemps? Depuis l'école primaire. C'est une très vieille tradition. Avant, on dansait le dikir barat pendant les mariages. J'ai pas tout compris, mais j'ai trouvé ça très intéressant à regarder. Ça parle d'un garçon qui s'imagine comment sera son premier baiser avec sa petite amie. J'aimerais pouvoir l'aider, mais je peux pas. Est-ce que tu aurais une bière pour moi? Anne ne t'a pas oublié, et toi? Non, et toi, ton premier grand amour, tu l'as oublié? Je l'ai épousé. T'as jamais dû lutter pour avoir ce que tu voulais. Hein? Pourquoi tu dis ça? Notre père t'a toujours préféré à moi. T'étais le premier fils, parfait en tout point. Tiens, à propos, tu te souviens cette fête à l'imprimerie, celle où il t'a présenté comme son successeur? J'ai même pas pu y assister, j'étais puni à la maison. Tu avais 16 ans et tu avais pris sa voiture pour aller faire un tour. Si tu savais comme je t'admirais à l'époque. Tu n'avais peur de rien, tu avais l'air plus sûr de toi. Tu pouvais choisir ta vie, te tromper, tu étais libre alors que moi j'étais obligé de réussir. Et me prendre la femme que j'aimais a été ton plus grand triomphe? Ça faisait longtemps que c'était fini d'après ce qu'elle m'a dit. À la minute où je l'ai vue, j'ai su que c'était la femme de ma vie. C'est la seule femme que j'ai aimée. J'ai pas l'impression qu'Anne le sache. Tom, est-ce que t'as eu la vie dont tu rêvais? Non, pas totalement. Je vois. Tu ne vas quand même pas dire que c'est ma faute. Non, je suis tout à fait capable de me saboter tout seul. Eh ben voilà. Toi et moi, on a au moins un point commun. Merci pour la bière. Pas de problème. Pour longtemps? On y est presque. Salut, Ali. Salut, Gruber. C'est l'ami qui a eu besoin de tes services. Vous avez le pognon? Vous avez les passeports? Ah 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 ah
Charles, tu es levé? Allez, viens par ici. Bonne chance, Edwige. Ne t'approche plus des sacs en plastique, c'est trop dangereux. Chez nous, les familles achètent un sapin, le mettent au milieu de leur salle à manger et le décorent avec plein. Je peux savoir ce que tu fais avec mon bateau? Il n'était pas amarré au port. Il dérivait du côté de ma plage. Tu ne l'as pas arrimé correctement, apparemment. Ça recommence? Bah, ça m'est arrivé qu'une fois. Depuis, je fais super attention, je t'assure. C'est la gourmette de mon père. T'en es sûre? Oui, c'est ma mère qui l'a faite. Il ne s'en sépare jamais. Nous n'avons trouvé que cette gourmette. Nous avons fouillé le bateau de fond en comble, mais c'est tout ce que nous avons trouvé. Est-ce que papa t'a dit quelque chose? Non, rien. Il n'a pas dit un mot. Qu'est-ce qui se passe? Papa a disparu. Comment ça? Et vous, qui êtes-vous? Charles est mon frère. Vous passez vos vacances tous ensemble? Non, je travaille ici comme moniteur de plongée. Téléphone à la centrale. Tu as été plongé avec lui ce matin? Non, absolument pas. Célia te demande ça parce que ce bateau était en train de dériver ce matin. Il y avait sa gourmette sur le pont. C'est bizarre, cette nuit, il l'avait encore. Ah bon, et comment tu le sais? J'étais à la plage. Charles passait par là et... La combinaison de plongée est complète, il ne manque rien. Mais Monsieur Gruber affirme que Monsieur Broder avait bien réservé une combinaison pour plonger ce matin. Mais c'était pas avec moi! D'où viennent ces bleus sur votre visage? C'est un malentendu entre mon frère et moi, mais on s'est réconciliés hier soir. Avez-vous des témoins qui peuvent le confirmer? Non. Nous avons bu une bière ensemble, rien de plus, et puis il est parti. Tu es le dernier à l'avoir vu en vie. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? J'en ai aucune idée! Monsieur Broder, au vu des éléments que vous venez de nous fournir, je me vois dans l'obligation de vous demander de nous suivre. Qu'est-ce que tu fais? Toutes ces affaires sont ici, il ne manque rien. Maman, qu'est-ce que tu fabriques? Arrête! Il m'a parlé de l'argent, mais il y avait peut-être autre chose. Quel argent? Ton père... a passé de l'argent en fraude. Pour rendre service à Gruber. Il a fait quoi? D'où viennent les bleus que vous avez sur le visage? Je vous l'ai déjà dit, je crois. Vous avez un certain penchant pour la violence, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il n'y a pas si longtemps. Vous étiez devant le tribunal de Brisbane. Je n'ai pas été reconnu coupable.
Vous étiez accusé d'homicide involontaire. Ce n'est pas bien. Je donnais un cours de plongée à un jeune homme. Une fois dans l'eau, il n'a respecté aucune règle de sécurité. L'autopsie a révélé qu'il avait plus d'1,80 g d'alcool dans le sang. En général, quelqu'un qui a bu autant, ça se remarque, non? Vous m'arrêtez très bien, mais faites votre boulot et retrouvez mon frère. Et arrêtez avec vos questions. Qu'est-ce que vous attendez? Il est peut-être en danger. Jusqu'à maintenant, vous étiez interrogé en tant que témoin. Mais à présent, j'ai des doutes sur votre innocence. Je demande à être assisté par un avocat. C'est une blague ou quoi? Allez, détache-moi, c'est pas drôle. Impossible, désolé. Je dois être sûr que tu m'écouteras bien gentiment et que tu accepteras ma petite requête. Quoi? Quelle petite requête? J'ai besoin d'argent. Mais je t'ai déjà payé. J'ai besoin de 250 000 euros. 250 000 euros? Cette femme-là, celle qui protège les tortues, elle a fait une offre pour la plage. J'ai été obligé de surenchérir. Mais je n'ai pas assez d'argent en réserve pour l'instant. Ce n'est rien pour toi. Mon imprimerie est en faillite, comment pourrais-je réunir autant d'argent? Ton imprimerie est en faillite, d'accord, mais ça ne veut pas dire que t'as un sec. Comme je te connais, t'as certainement mis de l'argent de côté. Excusez-moi. Vous pouvez m'aider, Sarifa? Que vous avez des nouvelles de votre mari? Non. Comment va Tom? Il faut que je lui trouve un avocat. Je ne connais personne ici, je ne sais pas comment ça fonctionne. Vous voulez bien m'aider? Il n'y a qu'à vous que je peux le demander. Charles saurait ce qu'il faut faire. Il a toujours résolu tous les problèmes, sans lui je suis perdue. Faut pas baisser les bras, votre mari va revenir. On n'en sait rien. Il faut que vous gardiez espoir. Si seulement Tom était là. La police le relâchera dès qu'ils auront compris qu'il n'y a aucune raison de le soupçonner de quoi que ce soit. Oui. Et si... Vous qui connaissez Tom depuis longtemps, vous le croyez capable de faire du mal à son frère? Non, pas du tout. J'ai été stupide de penser ça. Allons au commissariat, maintenant. Madame Broder. Vous voulez faire une déposition? Oui. Tom ne peut pas être impliqué dans la disparition de mon mari. Comment pouvez-vous en être certaine? Parce que Tom et moi avons passé la nuit ensemble. Monsieur Broder a une toute autre version des faits. C'est pour me protéger. Je suis mariée avec son frère. Êtes-vous prête à consigner tout ceci par écrit? Oui, évidemment. Merci pour votre aide. Je ne sais pas du tout comment tu as fait, mais merci. Ce n'est pas moi que tu dois remercier, mais ta belle-sœur. J'ai fait une énorme bêtise, j'en suis conscient, je te prie de m'excuser. Tu n'as pas à t'excuser, crois-moi. Si, au contraire. Je te le dois pour nous. Je crois qu'on pourrait vivre une belle histoire, tous les deux.
Où est Charles? Qu'est-ce qui te prend de me demander ça? Je veux savoir la vérité. Je comprends pas. Tu m'as fait sortir de prison alors que tu penses que j'ai fait quelque chose à ton mari. À mon propre frère. Tu es folle. Je veux juste savoir ce qui s'est passé. C'était peut-être un accident. Anne. Tu l'as peut-être fait pour moi, j'en sais Anne, rien. Anne, s'il te plaît, arrête. Il n'y a plus rien entre nous. Tu comprends, c'est terminé. Tu m'as pris dans tes bras hier. C'était pour te consoler. J'ai pas oublié comme tu m'aimais. On était des adolescents. T'as vraiment cru que 18 ans après, j'avais les mêmes sentiments envers toi? On va le retrouver. Alors, tu as réfléchi à ma demande? Dire que je t'ai fait confiance. Et tu peux continuer. On est toujours amis, toi et moi. De vrais amis. Une gorgée. Tu ne facilites pas les choses. Je voudrais retirer de l'argent sans devoir aller à la banque. Vous pouvez m'aider? Oui, pas de problème. J'ai besoin de votre carte de crédit. Quelle somme désirez-vous retirer? Je pensais à 800 ringgit, c'est possible? Absolument, oui. Je suis désolée, Madame Broder. Votre carte de crédit est refusée. Comment? Je dois malheureusement la garder. Je suis désolée. C'est pas possible. Je regrette, Madame. C'est pas vrai. Ah, Célia, c'est toi. Salut. Qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas, il y a un problème avec la clim. J'essaye de voir ce que je peux faire. Quel service? Le boss en personne? Oui. C'est terminé, ça y est. Vous avez sorti toutes vos affaires? Vous comptez partir? Ma mère a cherché quelque chose. Où est-ce qu'elle est? Elle est partie à la banque. Il y a un problème avec sa carte de crédit. Célia, t'inquiète pas pour ton père. Ça va s'arranger. Tu peux me faire confiance. Mais attends, t'en vas pas comme ça. Dis-moi ce que le banquier t'a dit. Eh bien, l'imprimerie est en faillite, les comptes sont vides, et pour finir, Charles est activement recherché pour faillite frauduleuse par notre police. Il t'avait rien dit? Non, rien. Écoute, on va d'abord le retrouver. Vous réglerez vos histoires après. Et tu n'as rien compris. Charles a vidé les comptes et s'est fait la malle. Qu'est-ce que tu racontes? Il aurait jamais pu faire ça. Je comprends maintenant. Tout devient clair. Son discours sur un nouveau départ, c'est juste pour me dire qu'il allait partir. C'est bizarre, ça ressemble pas à Charles. Déposer le bilan et disparaître, c'est pas lui. C'est pas tout. En cherchant des affaires, j'ai trouvé par hasard une grosse somme d'argent en liquide. Tu lui as demandé d'où elle venait? Oui, bien sûr. Il m'a répondu que l'argent était à Gruber. Et moi, pauvre idiote, je l'ai cru. Anne, fais pas ça, attends. Réfléchissons calmement à ce que nous devons faire. Tu crois vraiment que j'ai la tête à me prélasser au soleil alors qu'ils sont peut-être déjà en train de vendre ma maison aux enchères? Qu'est-ce qui se passe? Fais ta valise, on rentre. Mais qu'est-ce que tu fais de papa? Ton père est déjà probablement assis au bord d'une piscine à Rio de Janeiro. Il nous a laissé tomber. Qu'est-ce que tu dis? T'es complètement folle! Célia, ton père n'a pas arrêté de nous mentir. On n'a plus un seul centime sur nos comptes. Et l'imprimerie est en faillite. Anne, à quoi ça sert de faire ça? Célia n'a pas à supporter ça. Papa ne serait pas parti sans nous. Je le sais.
Calme-toi. Tiens, assieds-toi. Célia, tout le monde est à sa recherche. Même l'ambassade est prévenue. Ils font ce qu'ils peuvent. Et Gruber, ils lui ont parlé, tu crois? Oui, bien sûr, à Gruber aussi. Je sais pas, je trouve super bizarre. Comment ça? Il était là tout à l'heure. Il m'a dit qu'il réglait la climatisation et qu'il savait que tout irait bien pour papa. Comment il peut le savoir? Je croyais que tu dormais. Non, j'y arrive pas. J'arrête pas de réfléchir. C'est papa. Je ne veux absolument pas partir sans lui. Je sais, mais je nous ai réservé 2 billets pour le prochain vol. On rentre à la maison après-demain. Tout ça, c'est ta faute. T'as pas été sympa avec papa. Comment oses-tu me dire ça alors que c'est lui qui a tout gâché? Comprends-moi, je suis morte de peur. Je me retrouve toute seule à devoir gérer 2 vies. Comment allons-nous nous en sortir? De quoi allons-nous vivre? Tu pourras peut-être même pas aller à l'université. Mais qui te dit que j'ai envie de faire des études? On va se débrouiller. Oh. Oh. Bonjour. Oh. Sarifa, tu avais entièrement raison. Gruber est un salaud. Dis-moi quelque chose que j'ignore. Je suis à peu près certain qu'il est impliqué dans la disparition de mon frère. Dans son coffre-fort, j'ai trouvé des faux passeports pour Célia, Anne et mon frère, ainsi qu'une grosse somme d'argent. Comment t'as fait? J'ai trouvé où il cachait la clé. Et maintenant, quoi? Charles a des ennuis. Je dois le retrouver. Est-ce que tu sais où Gruber l'a emmené? Charles avait son portable sur lui. Est-ce que par hasard, tu connaîtrais quelqu'un qui sait comment le localiser?
Le signal vient de ce grand bâtiment. Parfait. Tu nous accompagnes ? Sarifa, je t'aime, mais je ne suis pas fou. Et ne dis à personne que je vous ai aidé, d'accord ? D'accord, oui. Merci. Tu restes ici. Non. Si. Si je ne suis pas revenu dans 10 minutes, tu préviens la police. Compris ? Où est le pognon ? Ne sois pas aussi têtu et réponds. La dernière fois, où est le pognon ? Si vous me tuez, vous ne le saurez jamais. Petit malin. Si tu ne veux pas que je dise à Ali de s'occuper sérieusement de toi, tu ferais mieux de parler. Je t'écoute. T'es un vrai salopard, Gruber. C'est vrai. Charles, s'il te plaît. Ne m'oblige pas à te faire souffrir. Ça va faire un peu mal. Attention, ne vous levez pas trop vite, d'accord ? Voilà, c'est très bien. La plaie n'est pas très profonde. Je ne vais pas devoir mettre de point de suture. Après ce qui vient de se passer, tu t'en sors plutôt bien. Les brodeurs sont des durs à cuire. Pour une fois, on peut dire que c'est à notre avantage.
Nous allons vous demander de nous suivre au poste pour faire votre déposition. Merci. Merci à toi. Il n'y a pas d'autre, Gruber ne sera plus en mesure de racheter la plage. Les tortues s'en sauvées. Tu peux me dire pourquoi tu m'as pas attendu dehors? Tu crois que tu peux me donner des ordres? Merci. Cette fois, on est quitte. Oui? Tu regardes des offres d'emploi? Oui. Je veux savoir si j'ai ma chance comme créatrice de bijoux après toutes ces années. Je dois réapprendre à me débrouiller toute seule. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose que tu dois voir avant de retrouver Charles demain. Des passeports. Oui, des faux passeports pour Charles, Célia et toi. Tu t'es trompé, il ne voulait pas vous abandonner. Merci, Tom, mais le problème n'est pas là. Charles t'aime, tu sais. Parfois, ce n'est pas suffisant. Tom. Oui. Dans ma déposition à la police, j'ai dit que la nuit où Charles avait disparu, toi et moi, on était ensemble. C'est pour ça qu'ils t'ont relâché. Sarifa était avec moi au poste et elle a tout entendu. Je suis désolée. Un aventurier, finalement. Je ne veux pas minimiser ma faute, mais mon plan était de recommencer une nouvelle vie à trois. Au fond de moi, je le savais. Comme tu viens de le dire, c'était ton plan. Je sais, oui. J'aurais dû te parler des problèmes de l'imprimerie et de mes projets depuis le début. C'est si grave que ça? Pire que ça. Si j'ai de la chance, je n'aurai qu'une amende à payer. Vous savez, ces derniers jours, j'ai eu pas mal de temps pour réfléchir. J'ai pris beaucoup de mauvaises décisions ces dernières années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux plus fuir mes responsabilités. Et qui sait, peut-être que j'aurai une deuxième chance. Je peux rien te promettre. Je veux d'abord faire le point sur ma vie, sur ce que je ressens, tu comprends?
Bon. Je vous souhaite bonne chance. Merci. On en aura besoin. Pour la première fois de ma vie, je ne sais pas ce qui m'attend, mais... c'est pour ça que je t'ai toujours envié. Bon, je vais aller vérifier qu'on n'a plus rien à payer. Un problème? Vu les circonstances, cela me paraît tout à fait normal. Je ne crois pas que Gruber portera plainte contre moi. Ça nous ferait plaisir que tu nous rendes visite, Tom. D'accord. Je suis là. Et surtout à ta nièce. Mmh. Où est papa? À la réception. Ah. Tu vas partir, toi aussi? Ouais. Le monde est immense. Les années ne t'ont pas changé. Qu'est-ce que tu veux dire? Encore une femme pour laquelle tu vas pas te battre. Je respecte le choix de Sarifa. Si elle ne veut plus me voir, moi non plus. Tu appelles ça du respect? Alors que... moi, j'y vois de la lâcheté, de la peur, de la bêtise. Tu sais que j'ai raison. Ça y est, c'est réglé. C'est le cadeau numéro 1. Je t'en dois encore 14. Merci. Au revoir. Bonne chance. Je ne fais que mon travail. Oh, tu ne travailles pas ici, Tom. On est collègues, t'as oublié? À moins que tu ne préfères que j'aille tout dire à Madame Somme. C'est vrai que tu es en période d'essai. Ce qui veut dire que je peux te renvoyer quand je veux. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Je veux ce boulot et je vais tout faire pour le garder. La nuit où mon frère a disparu... j'étais pas avec Anne. Je sais. Comment tu le sais? Anne me l'a dit. Oh, et tu trouves pas que ça change sacrément la donne? Est-ce que tu es prêt à souffrir? Ah oui, absolument.